chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents pour nous capables d'entrer la CAEO et pour rencontrer encore avec l'émission à travers la Bible. C'est toujours Pasteur Loda Saint-Vilgen qui est là pour présenter l'autre tranche dans l'émission à travers la Bible. Donc, nous assurer que le Seigneur te protège avec toute événements qui passaient autour de nous-mêmes, eh bien, nous avons dit merci. Nous avons joint ensemble avec vous pour dire merci et nous avons encouragé pour continuer à écouter l'émission à travers la Bible et écouter nous gagner l'étude somio en créole, en langue pas nous, pour encourager nous. Nous gagner, eh bien, l'étude qui fait dans l'évangile. Et nous avons Apocalypse, nous avons Proverbe, tout ça c'est pour encourager, pour capable faire route avec le Seigneur et pour augmenter la foi. Parce que la parole a dit, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tout autant on va écouter la parole, mon Dieu, tout autant on va lire la parole là. Et foi a augmenté, connaissance où l'homme, mon Dieu, a pas augmenté. Encourager vous pour faire ça, pour tête tout, et encourager l'autre tout pour faire ça, et inscrire l'autre monde, parents, les amis, les bio, et bien, web blanc, pour être capable de suivre à travers la Bible. Et nous pouvons continuer à prier pour vous-même, et même quand nous pouvons là pour rejoindre tout le monde, pour aider tout le monde, pour citer tout le monde, mais nous pouvons prier pour nous, et bon Dieu lui-même, il connaît nous toutes, et nous dit nous merci. Pour intérêt, pour attention nos pays avec eh bien émission ça. Nous allons prier pour demander le Seigneur pour lui assister nous dans l'occasion ça. Seigneur bon Dieu, nous disons merci pour grâce que vous faites nous pour nous passer tant ça et pour nous arriver jeudi encore. Et surtout dans la période ça côté eh bien pandémie ça puis travail, c'est le monde, ravager le monde et jeter mon terre, mais aucun de nous, nous vivons toujours, aucun de toutes les nous, toutes les fanatiques, tout le monde qui suivre l'émission à travers la Bible, aucun de famille, aucun de Seigneur Dieu, nous demandons à continuer de travailler avec eux. Et ça, qui touche, et qui en deuil, qui attristé, qui attend une délivrance, nous demandons capable d'agir pour nous-mêmes, protéger eux, ça qui est obligé à aller travailler dans un domaine essentiel là, et bien nous demandons qu'à accompagner eux, docteurs, nurses, tout travailleur de santé, tout personnel, nous demandons capable avec eux, nous prier pour le gouvernement, pour tout le monde qui a décidé, qui a orienté le peuple, bah sagesse pour capable diriger bien, pour prendre des bonnes décisions. Nous comptons sur vous. Et nous sommes capables de bénir l'émission, ça, servir avec lui pour encourager l'autre pour nous, pour faire capable de croire dans nous-mêmes, faire confiance, et puis pour être capable d'aller devant avec nous. Nous prions au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Et bien, nous avons invité pour lire ensemble avec nous la parole de Dieu que nous joignons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 32 à 35. Matthieu, chapitre 24, verset 32 à 35. Il dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ça, c'était parole Jésus lui-même. Il fait nous comprendre que, eh bien, l'air où il y a une série de bagailles, à priver, gagner yon connotation. Et c'est-à-dire, gagner un bagage qui est caché derrière lui. Au besoin,
et fait un effort pour capable jouer une explication et ça livré dit. Et parfois, eh bien, nous jouons que et parole là, il dit que, eh bien, bon Dieu les conserve avec les choses étranges pour parler avec le peuple, pour parler avec mon pari, avec serviteur. Et très souvent, nous voyons bon Dieu quitter bagaille arriver pour le capbaillon leçon. Et c'est ça, je dis, on a invité pour réfléchir sur le thème ça. Dieu peut utiliser des choses étranges pour enseigner son peuple, pour parler à ses serviteurs, pour communiquer un message. Et donc, nous garder. Eh bien, tout ça qui a fait, je veux dire, peut-être on a posé question, qui ça qui gagne, pour qui ça s'arrivait. Et c'est vrai, là, regardez, et dans l'aspect historique, ça qui a passé, et il a révélé que, eh bien, chaque 100 ans, il y a une pandémie qui arrivait dans le monde. Et sous remonté, en 1720, il y a eu un événement qui est passé, qui a couvert la terre. Te tuer monde. Il est allé dans 1820 encore, ça fait 100 ans. Et on l'autre fièvre, une grippe espagnole qui vini, qui t'a attaqué eh bien 500 millions de personnes et qui tué 50 millions là-dedans. Donc tout ça et après nous vinn gagner 1918 20 et nous jouons événement ça et qu'on y a nous tombé en 2019. Et c'est en 2019, pandémie, ça a été fait apparition. Donc, ça veut dire chaque 100 ans, il y a une série de gros événements qui paraît. Même quand chaque année, il y a une grippe, chaque année, il y a une peste, il y a une choléra, il y a tout le bagage qui passe, mais il y a un moment, il arrive, il couvre toute la terre. Ça fait mon réfléchir. Li est différent de yon grip. Chaque pays gen grip pa yo. Ça dépend de époque là. Ça dépend de qui est dimension que li est. Donc, li pa jan couvri toute la terre. Mais fois ça, gon bagay qui rive. Gon bagay, bon Dieu vle enseye. Li vle parler. Et ou apwa plusieurs éléments qui rive nan pandémie ça. Et qui étrange. Et tout le temps, et moi-même, j'ai un bon tillage un sous tête point. Et depuis ma vie, pour que j'en moi l'église fermée à Padoué en dans caille. Pour que j'en moi bagaille comme ça. Pour que j'en moi ça. Et ou même cap coûté qui a suivre là, ou capable de songer ça. Ou passer tout le temps, ou bien 50 ans, 60 ans, et ou bien plus. Et ou pas de quoi l'église fermée. L'église qui a fermé pour un cyclone, pour yon, l'église pour un dimanche, il n'y a pas réuni. Mais nous avons plus passé, eh bien, 3 mois là, nous avons marché et l'église confinée en Dankai. Building yon fermé. Et c'est l'État qui a dit combien de monde qui pour réunir dans l'église, nous pas que j'en vois ça. Il y a un pile de choses étranges qui a venu. Ou ta doué mande te tout question. Bon Dieu qui s'en vle enseye. Qui s'en vle moi. Et yo kote histoire, yo bay plusieurs éléments, plusieurs événements qui passe dans la Bible qui paraît étrange. Et puis bon Dieu explique qui ça li te vle di pas ça. Et nous gade dans, eh bien, dans le livre, dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Nous joignons yon serpent parlé. Yon serpent parlé, ou par exemple, tande bête parlé. Yon serpent parlé, et qui sal te gagne comme mission, c'est pour te capable servir yon instrument pour Satan le diable, pour tenter Adam et Ève. Et li prend tête chauve, li mande yon question, est-ce que vraiment bon Dieu dit, nous pas dû manger et non? Fui ça, li mette doute dans l'esprit yo, et li prend tête yo, et ça vient produit le péché. Et qui ça ba nou conséquence, je dis, nous vient joindre la mort spirituelle. Ça veut dire séparation
et de communication, nous, relation, nous, communion nous avec bon Dieu, nous séparer. Adam séparé. Parce qu'il rébellait, il transgressait la loi de Dieu. Et il y a un bête parlé, il faut que vous fassiez attention. Parce que bête pas qu'on parle. Et il y a un bagaille. Et c'est ça, Satan a besoin remplir mission ça pour lui, pour protéger le monde. Et puis, pour le capable de mettre péché, pour le contrôler le monde, pour devenir chef le monde. Et nous, ouais, bon Dieu, mettez Adam dehors. Et je dis, nous gagnons, après la mort spirituelle, nous gagnons la mort physique, et nous pourrons gagner la mort eh bien, éternelle, si vous acceptez Jésus. Si vous mourrez dans l'état péché, ça, vous pourrez lever et vous pourrez participer dans la seconde mort. Ou pour aller tomber dans l'enfer. Tout ça aussi, ça qui te déye, serpent qui parle. Il y a un bagage étrange. Faut que vous payiez attention à ça. Et yon l'autre exemple, il dit c'est Balaam, yon bourrik parle avec yon prophète. Yon bourrik parle. Et il a regardé dans Nom chapitre 22, verset 20 à 35, où il y a une histoire ça là. Et Balaam, c'était un prophète, bon Dieu. Li kon beni moun et wa Balak voye chercher pou vin maudit Israël. Et li di nan texte lan moun ou maudit yo maudit, moun ou beni yo beni. Et monsieur li jwenn off yo di m'a bon pile l'argent, m'a bon pile honneur sou vin fè ça. Et li prier bon Dieu di non pa ale. Bon Dieu di pa ale. Mais li wè l'argent, yo voyon l'autre délégation plus importante pour faire connait que wa tanni la honorer. Il dit OK, passe nuit là encore, va mal prier encore. Malgré bon Dieu te dit non, mais wè l'argent, li wè honneur, li pral pour la chance. Et l'Éternel dit OK, vous voulez aller, allez. Et li mette yon zanj devant li, et il bouche les yeux li, c'est seulement bourik la kawè zanj. Et il passait en position, il évitait Zanjan pour mettre lui pas mourir. À la fin, Zanjan coincé, il campait dans côté qui gênait, parce que c'est là chemin gênait, il y a quelque choix le malin. Parole grand monde a dit ça. Et les bouts clans ouais ça le bague côté pour passer, il couchait à terre. Balaam battu et bon Dieu fait bouts clans parler. Li mande une question. Li dit, que t'ai-je fait pour que tu me frappes déjà trois fois? Li fait une interrogation avec Balaam. Li pose une question. Et il pose la deuxième question. Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Et li pose la troisième question. Ne pas quitter le répondre non. Il dit, ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il laisse à Balaam répondre, il dit non. Et il dit, pour qui ça? Pour frapper? Pour qui ça on fait ça? Il dit, si je t'ai une épée, je t'ai tué. Et c'est laisse à Zanjan montrer l'yon épée. Il montre l'épée. Et il dit, si c'est pas de bourrique là, je t'ai tué déjà. Et ce n'est pas où tu as tué Bourikla, mais c'est moi qui t'as tué. Ou mettre 10 Bourikla, merci. Et c'est lui-même qui épargne à mettre au cachet. Pendant trois fois, on t'a pris le tuyau. Et c'est laissé à Balaam, vin ouais, qui y a un bagage qui était là, il était en danger. Donc c'est ça, il dit, là où un bagage étrange arrive, ou pas comprendre, ni, ou pas qu'à joindre origine. Ni. Et la fait des gars, c'est pour demander question. Qui ça, bon Dieu, voulait enseigner dans ça? Qui ça doit apprendre dans ça? Donc, parce que bon Dieu compte sa vie avec ça. Et nous, les anges ont dit, les tapes tuyaux. Et parce que on prend une voie détournée. Ou sur une voie de la perdition. Bon Dieu, ouais, Balaam, prophète là. Serviteur, mon Dieu, li prend yon direction, li prend yon voie de perdition. Li tape
tuer, li vle attirer attention, li fè bruit la parler. Et donc c'est ça, il y a un bagage étrange. Il dit pour détourner de voie de perdition ça et m'a demandé pour faire ça. Et nous voyons que eh bien c'est même bagage pour jodi en tout. Lorsque un bagage étrange avec un virus ça, nous pas qu'à joindre origine et tout scientifique, tout le monde yo pas capable joindre un vaccin. Il n'y a pas qu'un traitement pour lui-même. Il a cherché. Et nous-mêmes, en tant que l'Église, nous confinés, nous fermés en nous, nous pas qu'à aller dans le temple encore. Nous besoin de mentir, bon Dieu, qui ça pour nous apprendre de ça? Qui ça pour nous apprendre de ça? Donc, ça pour apporter changement dans tout ça qui a fait, dans la façon que nous connaissons, eh bien, servi. Nous besoin de connaître ça. Et nous avons plusieurs autres encore. Il y a un exemple, il y a Abraham. Bon Dieu, fin by Abraham. Petite alliance, petite promesse, enfant de la promesse, Isaac. Et mais bon Dieu, m'a dit pour l'offrir en sacrifice. Ça, c'est un bagage étrange. Et chita avec les villes, t'attends longtemps. Promesse accomplie. Mais quand il y a l'éternel, il vient parler avec lui pour dire. Gardez, al offri petit toi, offri petit toi, petit sacrifice, petite alliance en sacrifice. Et il dit dans Genèse 22, verset 12, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'en as pas refusé ton fils, ton unique. Ouais, li pa refuser qui ça l'Éternel t'a fait, qui ça bon Dieu t'a fait, c'est un test de craintif. Un test la poue la éprouvé Abraham jusqu'qui côté li est craintif pour lui. Jusqu'qui côté l'amour lié avec lui-même. Li mandé ça. Mais au fond, li pa t'a quitté. Pendant Abraham va piquer petit blanc et zanjan dit il pas fait le mal. Bon Dieu là tout près au même. Li là tout près. Et li kembe mais Abraham, pas fait le mal. Et puis il garde ce côté à genou bélier, li sacrifié li dans place Isaac. Et il fait déclaration ça, il dit maintenant moi ouais ou gè créatif pour moi. Ou rien même. Et moi ou rien même. Moi ou prêt pour obéir à moi. L'Éternel a cherché yon bagay. Là où yon bagay étrange paraît, fait silence tout autour de vous-même. Là où même, et mandez bon Dieu dans la prière pour le révéler, pour le capable faut comprendre qui ça est livré ou même au fait. Qui changement probablement. Qui changement peut-être livré opéré dans la marche. Qui changement livré opéré. La façon à servir le ministère dans foyer dans n'importe bagaille ou fait dans la vie en tant que serviteur bon Dieu en tant que eh bien monde qui a servi peut-être la préparer pour un autre niveau une autre dimension dans marche avec l'Éternel donc il toujours essayer pour éprouver pour le tester pour voir jusqu'à côté ou pour aller c'est même genre te testé Adam ou ka imaginer d'où ka manger dans tout fruit dans pied bois ça seulement youn ou ka imaginer un sur 1000 on seul là li testé Adam et pourtant il y a tout l'autre je veux manger le bail li bay Adam hier pour tout jardin pour le contrôler il dit accepter ça pas toucher pas manger Adam pas manger Adam. Mais li pa passé test ça parce que l'autre ami dit est-ce que vous pensez bon Dieu sérieux il prend la dame il tombe et nous ouais et eh bien puisque Balaam pas voulait écouter il fait un bruit parler il fait bruit parler parce qu'il prend voix de détourner et on voit de destruction de perdition et pour la maudit peuple bon Dieu et bon Dieu dit non pas capable maudit ça moins bénir les gens. Et donc, nous, ça va aider au lot
payer attention avec bagay étrange. Jésus dit l'oué et bien fait yo non pied figuier et fait yo commencer tendre et ouais yo commencer à changer et bien qu'on est l'été l'en route. Ça c'est un signe et pied bois par l'été mais il annoncé l'été pour le venir et chaque saison yo est gagné et signe pa yo yo gen très caractéristique yo. Là on parlait de hiver et bien ouais la neige ouais snow ouais froid ouais tout ça et là on dit été ouais froid ouais chaud qui a venu et ouais en pile bagarre là on parlait de printemps l'automne chaque gagné et bien a fait pareil qui marque et c'est même genre bon Dieu il y a des signes qui paraît pour nous-mêmes et il dit là ouais ça l'eau est bagay sa yo ka privé là et tremblement de terre famine peste tout ça yo c'est signe et c'est vrai ou kontande quelque temps passé et bien gagnent 3-4 tremblements de terre qui rivé dans une année dans un petit temps mais l'eau regardé et sous songer en 2015 yo dit te gen 15,000 tremblements de terre qui passé dans le monde. Ça veut dire son bagage qui doit attirer attention. Pour qui ça le fréquent comme ça? Pour qui ça le venait si souvent comme ça? Vous te entendez parler de guerre et vous entendez parler même de guerre de 100 ans. Et en guerre qui est dans 100 ans, etc. Mais après, vous entendez première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, vous entendez guerre ici à droite, à gauche. Et il te dit ça dans Matthieu 24. Et 4 à 51, il parlait de tout signe ça yo, l'oué yo qu'on est, gagnon événement pour arriver, c'est le retour de Christ. C'est enlèvement de l'église qui peut venir. Et qui est-ce que l'église? C'est nous-mêmes. Tout le monde qui a accepté Jésus, qui a servi, et nous gagnons pour nous quitter quand même, et building yo. Et m'a demandé, est-ce que confinement ça, pas une leçon? Est-ce que c'est pour un entraînement, bon Dieu a fait? Parce que là, l'église a enlevé tout building qui a été fermé. Ça, son réflexion pour nous faire. Tout building, tout bagaille, l'église pour arrêter. C'est quel grand monde qui pas de sérieux, qui pas de sous ça, qui pour aller tourner l'église et a dit, oh, côté Mounsayo, côté pasteur, côté Mounsayo, Mounsayo toujours en retard, il y a babillé. Et pourtant, c'est aller l'église aller. Building après t'es vrai. Est-ce que ça par un entraînement? On besoin poser question ça. Est-ce que c'est pas entraîner Christ à entraîner nous la venir pas trop longtemps pour venir chercher nous? Nous pas voir l'homme building encore. Nous pas voir le réunir encore. Nous pas gagner mortgage encore. Nous pas gagner bill pour nous payer encore. Nous pour aller et Christ gagner pour venir pour faire ça. Il dit dans Jean chapitre 14, il dit gardez. M'a vini, et m'a prend nous, et m'a pour aller avec nous, côté m'a vaillé, c'est là nous vaillé. Donc, et ça, c'est un entraînement. Nous besoin poser question, qui ça derrière ça? Pour qui ça l'église ferme en dans porte là? Pour qui ça le ferme en dans caille? Et puis, le building y aurait été là. Donc, nous besoin poser toutes nos questions, chercher comprendre, parce que le Seigneur est capable d'enseigner nous. Et nous jouons le même genre. Eh bien, Abraham, t'es passé tes sangs. Lui, t'es arrivé, t'es grand attitude, lui, t'es adoré. Bon Dieu, dans l'occasion ça. Lui, t'es comprendre. Bon Dieu, t'es fait promesse. Lui, pas quitter Isaac. Non, non, moi. Lorsqu'elle te dit à ses serviteurs, regardez, restez là avec Bourikio. Moi-même, avec chaîne homme là, moi pour l'adorer, n'a pas tourné. Et pourtant, il pourrait le crucifier, il pourrait sacrifier, jeune homme là. Mais il dit que il te croit en résurrection. Il te croit, bon Dieu, t'a peut lever Isaac encore. Il t'a tourné avec lui après sacrifice. Et donc, c'est pour ne pas faire même j'ai avec Jonas. Bon Dieu, fait tempête l'enlever pour Jonas. Il n'y a pas écouté. Il dit, tant pour obéir mon Dieu, la game dans la mer.
Mais bon Dieu, qui a une mission pour Jonas, il fait un poisson valer. Et poisson valer, l'aller et mettre en place côté pour la faire mission. Bon Dieu, il servit avec tempête, il servit avec poisson, il servit avec la mer, il fait la mer agiter, il fait vent, il fait tout bagaille capable arriver, bagaille étrange ou capable arriver. Posez tête aux questions, demandez bon Dieu, bon sagesse, bon discernement pour comprendre. C'est pas moment pour décourager, pour affoler, pour perdre espoir. Et même quand tu as perdu du travail ou pas pour compte, et il y a 36 millions de monde qui est au chômage. Et dans le jour ça, avec le coronavirus, ou pas pour quoi. Bon Dieu a fait plein quand même. Donc, on a pas courage pour faire bon Dieu confiance et apprendre les leçons, garder la vie, garder le marché avec le Seigneur. S'il le faut pour faire un changement dans la vie, eh bien, fais-le. S'il le faut pour faire un changement dans le ministère, fais-le. Parce que bon Dieu est capable aider pour aller plus devant toujours. Il a besoin pour faire plus de bagaille pour lui. Mais façon hier, il n'a pas senti qu'il a confié au plus grand bagaille encore. Donc, on nous prier dans l'occasion ça pour bon Dieu, bon sagesse pour l'ouvrir, pour capable, ouais. Et s'il le faut pour convertir, pour changer, pour sortir nos religions, pour aller dans l'autre côté, c'est pour faire, pour accepter Jésus. C'est seul Jésus qui a sauvé, c'est pas mission. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas une dénomination. Mais c'est Christ qui t'est mort pour vous qui t'a sauvé. Si vous avez l'autre bagage, vous avez prié statut, vous avez besoin de changer. Vous avez prié loi, changer, accepter Jésus. Il y a un bagage étrange là, montrer pour prendre une décision, pour capable de venir jeune. Et vous même qui dans Christ, vous êtes attaché avec lui. On nous prie dans l'occasion ça. Seigneur, bon Dieu, nous vous remercions pour grâce. Ou toujours là, ou parler avec le peuple, ou servir avec des choses étranges, pour parler avec nous, pour nous faire changement, pour nous capables de venir plus près, et pour nous venir plus semblable à nous-mêmes, plus sembler à nous-mêmes de jour en jour, parce que Dieu, c'est pour nous venir à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions à tous les amis qui, tout partout, qui peuvent écouter, nous peuvent suivre l'émission à travers la Bible. Nous demandons qu'à bénir ça qui dans l'hôpital, qui a suivi, qui a tendé lecture, touché, guéri, rétabli, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça qui au Chili, ça qui à Saint-Martin, ça qui Haïti, Saint-Domingue, la France, aux États-Unis, tout côté Brésil, qui a écouté et qui a suivi l'émission ça sur toute la terre. Nous prions pour vous en Afrique, il y a pu suivre. La mort de grâce, nous sommes ensemble avec vous et couvrir en bas bénédiction. Nous comptons sur vous, nous bénissons et nous disons merci pour tout ce que fait pour nous déjà. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous souhaitons que vous ayez fait un bon temps, vous avez suivi et nous avons encouragé pour vous et encourager l'autre monde pour suivre ensemble avec nous et quitter Rukatouyo. Si vous avez besoin de prière, vous êtes capable de faire ça. Quittez notre live, venez nous prier pour vous, quittez non, et nous faisons ça. Nous saluons, nous sommes contents. Et c'est toujours Pasteur Loudas qui l'a en attendant, nous dit au revoir et que le Seigneur vous bénisse.